Étienne Symphorien Kalala Banandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botena Binobanso. Wanzo penzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu basubwe moyo wenu bonsoir. Bampangi ya Mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu yonso. Ana lengo, moyanyo, che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Parle à toux sèche. Pour se protéger et limiter la propagation du coronavirus, lavons-nous fréquemment les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Évitons les contacts rapprochés. Évitons de toucher les yeux, le nez ou la bouche. Couvrons-nous la bouche lors d'une toux ou d'un éternuement. Et enfin, en cas de symptômes, portons un masque et restons confinés. Pour toute information et en cas de symptômes, contactez gratuitement le 109 ou le 110. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, Mbote Nabino Banso. Avant de continuer, chers compatriotes, n'oublions pas d'appliquer, de respecter à la lettre les mesures de précaution pour contrer le coronavirus, le COVID-19. Voilà. Ce matin, nous allons discuter sur un thème, c'est-à-dire attention à la distraction. Le Covid est là, mais la Kabylie en profite et provoque. Voilà. Deuxièmement, nous allons passer à l'information, à la mode de chez nous. Ensuite, nous allons parler du conflit à la frontière avec la Zambie qui a été résolu. Et vous en montrer une vidéo là-dessus. Voilà, chers compatriotes, pour ce matin. Voilà. Attention à la distraction, chers compatriotes. Nous savons très bien que notre pays est en train de passer un très mauvais moment avec l'apparition de cette maladie diabolique. Donc, le COVID-19, le coronavirus. On nous apprend aux dernières nouvelles qu'il y a déjà 6 morts. 6 morts parmi lesquels probablement le conseiller qui était revenu de la France avec le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi. Il y a également un professeur dont j'ai oublié le nom, un professeur habitant le quartier des professeurs au plateau, on appelle ça le plateau. Donc, il est revenu de la France, il est décédé. Donc, au total, il y a déjà 6 morts. Donc, la tendance est à la hausse. Jusque-là, la tendance n'est pas à la baisse. Espérons qu'avec les mesures que le président a prises, donc nous allons réussir à contrer ce virus, mais n'oublions pas d'utiliser le médicament qui est prôné actuellement, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. Évidemment, il y a des amis qui nous ont téléphoné, ils nous disent que certaines personnes
atteinte ici en Belgique, ont utilisé les méthodes des grands-mères, c'était les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire mettre le Vix dans une marmite, mettre des herbes traditionnelles qu'ils connaissent et qu'on connaît au pays aussi, se couvrir complètement avec une couverture et attendre longtemps parce que ce virus-là ne résiste pas à la température. Donc rester un très bon moment là-dedans. Et il y en a une, je ne veux pas citer son nom, elle dit qu'elle est guérie. Donc elle s'est rendue à l'hôpital avec sa sœur qui était atteinte, sa sœur est restée, mais elle, on lui a dit de retourner à la maison. Après 4 jours et non pas après 14 jours ou 15 jours, comme on dit. Mais, donc, elle a utilisé cette méthode de la marmite bouillante avec du Vix et d'autres ingrédients en dedans, de l'herbe traditionnelle et tout ça. Et voilà, elle est en forme, elle n'a plus de fièvre, elle ne tousse plus. Elle reste confinée chez elle, à la maison. Voilà, nos méthodes traditionnelles peuvent aussi s'avérer payantes, ces méthodes-là. Voilà. Alors, concernant la distraction et que nous devrions faire attention, nous nous sommes rendus compte que pendant cette période du coronavirus, le Premier ministre, en qui le président Félix Tshisekedi avait fait confiance quand il a choisi, parce qu'il a refusé longtemps d'accepter le nom d'Albert Yuma, il a fini par accepter le nom de Ilunga Ilunkamba. Aujourd'hui, Ilunga Ilunkamba sort ses griffes, il montre sa face véritable, il montre qui il est. Il propose un secrétariat spécial pour Joseph Kabila. Joseph Kabila, nous avons avalé la salive, comme on dit en langue bantou. Nous avons fermé les yeux et les oreilles pour le tolérer. À cause de cette alternance sans violence, pour la première fois, il est là tranquille et maintenant il veut se mêler, il veut retourner aux affaires toujours d'une façon ou d'une autre. D'abord, la Kabylie a essayé par tous les moyens, plusieurs fois par des coups, des tentatives de putsch, plusieurs fois. Il y en a qui disent même 18 fois ou plus de 18 fois, ils ont raté. En commençant par le coup de l'avion, de l'Antonov. Et aujourd'hui, il propose, avec tout ça en aval, mais il veut quand même un secrétariat général. Et déjà, il pompe là 680 000 dollars par mois. Parce que depuis mars 2019, personne ne nous a jamais dit qu'on a arrêté le processus. Il n'y a aucune information là-dessus. Et là, il faudra encore un budget pour ce secrétariat général, pour ce Joseph Kabila. Ah, Seigneur mon Dieu! Mais finalement, ce pays-là, c'est pour la bureaucratie supérieure, les ministres, les conseillers et tout ça. Le président a toujours dit « le peuple d'abord ». Finalement, ce maigre budget, il sert tout simplement à enrichir, à entretenir la haute bureaucratie et le peuple. Comment va se retrouver le peuple? Et la présidente du Parlement de provoquer encore en invitant les anciens présidents des parlements, plus un ancien vice-président.
pour proposer 400 000 $ par an, chers compatriotes, vous entendez? Ben, vraiment, mais ils n'ont pas pitié de ce pays. Il y a eu alternance. Ils sont là, ils veulent revenir de cette façon-là, mais le peuple ne l'acceptera jamais. Évidemment, il y a l'ancien Premier ministre, Matata Mponyo, qui a proposé la réduction du train de vie de tous ses ministres, ses députés et consorts, et de réduire même le nombre des ministres. Mais seulement, il s'avère que cette personne-là, c'est une personne qui n'est pas à la bonne place parce que il est l'un des fossoyeurs de notre pays. Il a détourné des millions d'argent. Entre autres, il était prévu qu'il construise 1000 écoles, mais à la place, il a construit son université dans sa province d'origine. Mais bon, il paraît que un ancien mobutiste, Lunda Bululu, il a toujours dit que Matata Mponyo était d'origine rwandaise, mais bon, comment se fait-il qu'il soit du Maniema? Est-ce qu'il est, il est issu des parents rwandais et congolais? On ne sait pas. Il est du Maniema? Bon, on ne sait pas. Il aurait vu, je ne sais pas, à l'université ou je ne sais pas où, en représentant les Rwandais, ou je ne sais pas où, il aurait vu, bon, je ne me souviens pas très bien. Mais voilà, tous ceux qui sont venus là, de gauche à droite, ils n'ont pas l'âme congolaise, ils sont là pour détruire le pays. Regardez Kabila n'est pas congolais, il n'a jamais eu pitié du Congo, ni eu un seul projet qui soit abouti au Congo. Il est devenu milliardaire, et c'est Bloomberg, un magazine américain, qui l'a dit. Il n'a rien fait pendant les 18 ans. Et on lui propose un secrétariat général, mais ça c'est une provocation, chers compatriotes, c'est une provocation. Ces gens-là qui sont venus d'ailleurs, et qui ont corrompu des Congolais qui sont devenus leur laquais, leur tambourinaire. Aujourd'hui, il se fait adorer par ces gens. Jusque-là, il y en a qui l'appellent toujours président. En coulisses, quand ils sont entre eux, ils l'appellent président. Voilà, il faut que Félix Tshisekedi redouble d'efforts. Hein. Ça, on ne l'acceptera jamais. Ça, c'est une provocation. Désormais, le peuple congolais ne peut plus avoir confiance ni en Mabunda, ni au Premier ministre Ilunkamba. Ce n'est pas une personne de confiance. Jamais. Il n'est pas pour Félix Tshisekedi. Ça se voit. Il n'est pas du tout pour Félix Tshisekedi, ce Ilunkamba. C'est de la provocation et ils ne doivent pas profiter de la distraction en ce moment par la présence de la maladie du coronavirus pour proposer tout ça. Et il y a même le président du Sénat qui n'est pas là pour encourager le président de la République. Déjà, il se opposait à lui. Du fait qu'il a renoué des relations avec Israël, ça ne lui plaît pas du tout. Mais eux, pendant 18 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Évidemment, le président Félix Tshisekedi s'est renforcé par la diplomatie. Et s'il y a des réussites en matière de sécurité, par exemple, à l'Est, c'est à cause de cette diplomatie et que les Israéliens vont encore renforcer quand ils viennent sur le terrain. Voilà, chers compatriotes.
Et puis, pourquoi la pression a baissé? Cette pression du peuple, cette pression surtout de la base de l'UDPS. En ce moment, on n'entend plus parler l'évêque Moncula, et puis les évêques ne parlent presque plus. Et puis, je pense que par-ci par-là, il y a des parlementaires debout qui continuent un peu à mettre la pression malgré les interdictions. Mais je vois qu'eux, ils se mettent un peu espacés, pas entassés comme avant. Ils viennent, mais ils respectent la distance et n'est pas tout à fait d'un mètre. Mais je pense que c'est de 50 cm ou 70 cm. C'est pas tout à fait un mètre, d'après ce que j'ai vu. J'ai vu aujourd'hui dans une vidéo. Voilà, chers compatriotes. Donc, en conclusion, faisons très, très, très attention. En ce moment, nous ne devons pas nous laisser faire. La Kabylie peut profiter de ce moment pour nous faire du mal. N'acceptons pas de la provocation du Premier ministre, ni la provocation de la présidente du Parlement pour ruiner encore ce pays en entretenant ces anciens premiers ministres, les anciens présidents des parlements, les anciens de ceci. Le président lui-même, il a un salaire de 15 000 dollars par mois. C'est modeste. Bien sûr, on dira, il a droit à ceci, il a droit à cela. Bon, c'est normal. Mais il faudrait quand même réduire le train de vie. Et même, je suis d'accord pour un remaniement. Un remaniement et pour réduire les coupes, l'équipe gouvernementale. Nous sommes les seuls presque en Afrique avec cette équipe-là de 66 ministres avec ce budget-là et que plus de 85 ou 90% vont seulement sont consacrés donc au paiement, à l'entretien de tous ces ministres, ces conseillers. Et il y a même des provinces qui ne servent à rien, où il y a des ministres qui ne servent à rien. Ces provinces-là, ces 26, ça a été conçu pour détruire le pays. Voilà, chers compatriotes. Après ça, je vais vous proposer une information à la mode de chez nous. Après quoi, nous allons parler du conflit RDC-Zambie. Voilà, regardez. Voilà, Bandeko, Makamosusu. Toujours qu'à Yango à la légèreté. Donc, bah, parlementaire de Bouana, ou Bozomanawana, bah, Tangaka, bah, journaux. Donc, bah, Kendaka, Nabisika, Yalikolo, bah, Koutanaka, Naba, Jean-Marc Kabound, Naba, Kabouya, bah, Komakapeli, Kolo encore plus. Makanaba n'a conseillé donc Makamyonso et bien Makanaba journauté. Donc bah rumeur Mosusu, bah fuite donc et bien Makandengwana donc Kozabangwa à la légèreté. Donc Yangoana Nazoakamwa bah information wana Natiakawa po Toyoka. Donc faut pas prendre ça à la légère. Écoutons un peu et vous constaterez que certaines informations sont couchées dans les journaux, hein. Mais il y a aussi des fuites. Partout où vous allez, la bande à coups, il y a 800 mois-ci,
La balle à la palais, passe à la vraiment la condition hygiénique pour mon malade. Parce que va pas la bango, à chaque moment, il y a la première pilote pour la malade, pour monter. Il y a une pilote pour la malade, pour la bango, la bango, la bango, la bango, la bango, la bango, la Fati Béton, à mettre M. Kanamba et Pauline à genoux. Kabila, mets-toi à genoux. Mais si on va combattre le mandataire à l'État, Kabila est parti secret. Alors, il me conduit un peu à Fati Béton. Nous avons un mal dans la sécurité à ma part. Et ma casse, Fati Béton est pissé à Abiyo, mon pauvre, le col qui est mon beau, c'est ça, y'a. Abiyo! Pour poser ma question, mon corps à l'objet
Etienne, tu sais que tu as fait un peu Etienne, tu sais que tu as fait docteur en droit. À comment la magistrature suprême? Oui. Mazaki silence va répondre. Donc, premier docteur en droit à la RDC. Etienne, tu sais que à ça et tout. À comment la magistrature suprême? Pour que tu as un destin à elle. À ce pouvoir, Etienne, tu sais que tu as transmis la voix de mon balai. Félix, tu sais que tu n'as jamais le cabon. Voilà pourquoi les lots, les autres ont été, mon message à ma cabine à répondre. Alors, bien, tu le vois que la machine à l'autre. Y'a une main noire. Main noire. L'a dit ça. Bon, les autres cyclés. Ils sont les gens qui ne peuvent pas se couper. Ceux qui ne peuvent pas se couper, on a 2000 Félix d'abord à vous fragiliser. Pour votre information, ceux qui ne peuvent pas se Félix à vous fragiliser. Ceux qui ne peuvent pas se Félix à vous gâter. Pour votre information. Parce que, pas les autres bandes d'accord. C'est ça. Et donc, on va faire une émotion. Et ça passe de l'idée. On va faire une émotion. Vous avez un véritable militaire. Jamais le Cameroun n'est pas à l'année. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. C'est la combattante. Concernant le conflit à la frontière entre la Zambie et la RDC, un compromis a été trouvé. Des bornes ont été placées à la frontière. Alors, le titre de actualité.cd ici, c'est « Tension à la frontière congolo-zambienne ». Tshisekedi a reçu les émissaires d'Edgar Lungu à la cité de l'Union africaine. Voilà, c'est ça en titre. Alors, nous allons lire l'information ensemble. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus ? Les armées congolaises et zambiennes s'étaient affrontées quasiment la semaine sur le territoire congolais. Les militaires zambiens, appuyés par leur aviation, avaient même investi le village de Kibanwa et y avaient placé leur drapeau. Ces incidents se sont produits à environ 400 km en territoire de Moba, au sud-est de Kalemi. Donc, à 400 km de Kalemi, la province de Tanganyika. Certaines sources indiquent aussi qu'avant de s'installer à Kibanwa, les forces navales zambiennes étaient à la poursuite des pêcheurs congolais qui, en plus de violer les eaux territoriales zambiennes, font usage de filets prohibés sur le lac Tanganyika. Alors, chers compatriotes, on continue. Les échanges diplomatiques ont permis de calmer la situation, hormis les discussions entamées par les autorités provinciales. Marine Toumba Nzeza, la ministre congolaise des Affaires étrangères, s'était personnellement déplacée à Lusaka la semaine dernière.
Ce mercredi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu à la Cité de l'Union africaine une délégation zambienne conduite par son ministre des Affaires étrangères, Joseph Malanji. Le diplomate était porteur d'un message de son président pour son homologue congolais. Les deux chefs d'État devraient avoir un entretien téléphonique dès ce soir sur cette question. D'ores et déjà, il a été convenu de placer des bornes à la frontière entre les deux pays. Voilà, ça c'est actualité.cd, chers compatriotes. La solution est déjà trouvée. Mais il y a un mais, chers compatriotes. Pourquoi toujours on constate ce genre de cas où quand c'est un pays étranger qui nous agresse? Il faut qu'ils viennent occuper notre territoire, il faut qu'ils plantent leur drapeau. C'est ça qu'avait fait l'Angola à l'époque. On comprend bien que bon, c'était pour récupérer leur argent qu'ils avaient prêté à Kabila, les fameux 15 millions dont on parle, que José Eduardo aurait prêté à Joseph Kabila et que par la suite il ne remettait pas. Ils ont quand même planté leur drapeau, mais ce n'était pas une raison valable de violer nos frontières. Le Rwanda l'a déjà fait une fois. On a vu parfois le drapeau rwandais à Minembwe, à une certaine époque, pendant les élections, pendant la campagne électorale de 2018. Alors c'est une très mauvaise intention que ces Zambiens aient planté leur drapeau. Ils poursuivaient les pêcheurs, oui. Peut-être qu'ils avaient tort, ces pêcheurs-là. Ils ont utilisé des filets prohibés. Et faut-il encore qu'ils prouvent que ces filets-là étaient prohibés? Est-ce que c'est une raison de les poursuivre sans les arrêter et devenir planter le drapeau zambien dans notre territoire? Ah non! Ça doit terminer ce genre de comportement. Ces voisins nous ont toujours pris pour des pigeons, mais attention, hein, nous sommes maintenant la 8e armée africaine. Hein. Bientôt, peut-être que nous pouvons monter les échelons jusqu'à la 7e place. Vous nous attaquez, nous ripostons. Ce sera comme ça la prochaine fois. Voilà, chers compatriotes, nous clôturons par ici. Alors, nous nous arrêtons ici, chers compatriotes, tout en vous exhortant, surtout ceux qui sont dans la diaspora, à aider nos compatriotes qui sont au pays, parce que le confinement en Europe, ce n'est pas la même chose que le confinement dans la ville de Kinshasa. Donc, ceux qui ont des moyens, nous leur demandons d'envoyer un peu de moyens, 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros pour ceux qui le peuvent, quoi, comme d'habitude, quoi. Si les guichets sont fermés, bon, c'est faisable via Internet. Si vous avez une carte Mastercard ou une carte Visa, vous savez le faire depuis Internet sur MoneyGram ou bien Western Union. Donc c'est faisable directement à partir de votre ordinateur ou même votre smartphone. Voilà, chers compatriotes, comme alternative, n'abandonnons pas les nôtres au pays et faisons toujours attention aux mesures de précaution pour contrer le coronavirus COVID-19 en RDC.
Voilà. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutique à la Malamou, Benobikanambote, Wandugwapenzi, tout Namalisa, tout à Onana, Kesho, Pampangiamono Yaluzoro, Benobikanambote, et tout à Malana, Mbasi. Banabetu va suivre. Chalai bip, ni tout mon âne. Chikonde chikwabu kufideo mkwabu. Ana lingo amboshila.